jeudi sur France 3. L'amour, l'absence. L'amour, l'absence des faveurs de celle que j'aime. La peste ne soit devant ta maison. C'est une capule. Si tu veux être ma fille, je te donnerai à mon ami. Et réconforte-la. S'il est une chose plus affreuse que la mort, c'est bien l'exil. La Juliette est vivante. Ma résolution est sage et je l'exécuterai ici même. Roméo plus Juliette. Leonardo et Claire Dance vous offrent le grand jeu. Jeudi à 20h55 sur France 3. C'est l'occasion de découvrir le pays magique où vous pourrez réaliser plus d'un rêve. Visitez l'Ontario. Des expériences uniques et des moments inoubliables vous y attendent. Forfait parfaitement adapté à vos rêves à partir de 5795 francs, taxes incluses. Appelez le 0800-00-0204 pour obtenir gratuitement vos guides de vacances au Canada. Dans l'archipel des Mijagos, on traque les requins. Toutes les espèces de requins sont la proie des pêcheurs venus en pirogue du Sénégal ou de Guinée. Ce qu'ils viennent chercher, c'est l'aileron du requin, l'or gris, dont raffolent les Asiatiques. À 450 francs le kilo, on oublie vite le danger et la protection de l'espèce. L'animal a mauvaise réputation, alors tout le monde est complice. Les requins de l'archipel, c'est vendredi à 20h40 dans Talassa. Bonsoir. Piano, piano, pianissimo. C'est ainsi qu'on pourrait intituler cette semaine de nos nocturnales que je vous propose à partir de ce soir seulement, puisque vous le savez, hier c'était sur notre chaîne Les Victoires de la Musique Classique. Une semaine qui va nous permettre de découvrir quelques-uns des pianistes que René Martin a accueillis dans son désormais fameux Festival de la Roque d'Anthéron. Alors il est évident que tous les jeunes pianistes souhaitent être invités à la Roque d'Anthéron et les deux que nous allons entendre ce soir y ont reçu une certaine forme de consécration. C'est le cas d'abord d'Alexandre Tarot, un de ceux qui se sont fait remarquer ces dernières années, par un toucher d'une grande limpidité, je pense à son intégrale de Jean Français, et par un sens du phrasé et de la musicalité